Là, c'est soit on se parle ou on se parle plus. C'est pas dur. Je vous le dis franchement. Je pars à la retraite, comme il y a une rumeur qui dit que je partais à la retraite. Là, franchement, je suis capable de le faire. C'est une de nos idoles. Hein. Elle s'appelle Isabelle Duquesnoy, La Chambre des Diablesses. Que des chefs-d'œuvre. Hein. L'Embaumeur. Il y a ceux qui l'ont lu et ceux qui l'ont pas lu. Ceux qui l'ont pas lu ne font pas partie du club de la griffe noire. Ça, c'est même plus un chef-d'œuvre. C'est voilà. Et La Pacline. Voilà. Et alors cette dame, on en rêvait, elle l'a fait. On rêvait qu'elle, oui, on a rêvé qu'elle vienne à la Griffe Noire, vous rencontrer. Parce qu'au salon de Saint-Maur, elle est déjà venue, mais il y a beaucoup de monde et tout, alors que c'est beaucoup plus intime à la Griffe Noire, on peut parler plus tranquillement. Et on rêvait qu'elle vienne dédicacer, parler avec vous. Eh bien, elle vient. Elle vient ce samedi 15 avril, à partir de 16h jusqu'à 19h. Et elle vient spécialement pour vous de Corse. Donc je vous préviens, si vous mettez la honte et qu'il y a quatre personnes pour notre idole, je crois que ça va mal se passer pour vous et que je vais abandonner le métier de libraire. Alors, ceux qui m'aiment pas, n'organisez pas non plus un blocus pour pas que les gens viennent. Mais non, non, c'est vraiment, ça va être un moment génial. Elle raconte, même quand elle est en dédicace, elle raconte ses histoires. Elle est très d'empathie pour, elle a beaucoup d'empathie pour ses lecteurs. C'est quelqu'un d'absolument, moi que je trouve très un des talents les plus originaux français actuels, avec des histoires moi qui m'ont fait bondir entre le rire et l'originalité. C'est une des reines du roman historique, hein, mais c'est vraiment, quand je dis roman historique, c'est une vraie écrivain avec son style. Elle fait vivre les mots, les phrases, tout, voilà, son Chambre des Diablesses sur l'empoisonneuse qui était la poison. C'est absolument fabuleux. Vous allez vous, voilà. Alors, je vous préviens, c'est le samedi 15 avril à 16h. Si vous ne venez pas nombreux, là, je crois que je suis capable de faire la tête très, très, très longtemps. Ou pire, de vous conseiller de très mauvais livres pour que vous le payiez, voilà, de façon un peu sournoise, mais je suis capable de le faire. Donc je vous attends, nous vous attendons tous, et ne me faites pas la honte qu'elle ne vienne pas de Corse pour rien. Soyez là samedi, le 15 avril, à partir de 16h.